Six clubs venus de tout le Bénin participent au championnat national d'escrime édition 2018. La Fédération béninoise d'escrime a réalisé ce qu'on a toujours demandé à une structure fédérale de faire, ses activités statutaires. C'est non négociable. Après la première journée de compétition, les tableaux des derniers carrés sont dessinés. Pour les finales, elles concernent deux épreuves, l'épée homme et dame et le sabre homme. Le face-à-face entre Marie Oscillatrice da Silveira et Elisabeth Adjike est un pur régal. La victoire fut longue à choisir son camp. Avec un peu plus de vigilance et d'intelligence, Marie Oscillatrice remporte l'or. Score final 15-9. Rien que de la joie, et cela montre qu'avec le travail, on peut arriver à tout. Oru Madou Anafi est face à Goudja Owens pour la finale épée homme. Ici, l'expérience parle. Madou, qui revient juste d'une formation d'un an en Algérie, prend le dessus sur son adversaire. Au thème du combat, le score est de 15-7. Il y a de très bons talents au Bénin. J'ai découvert beaucoup de talents. En plus, moi, il y a d'autres talents comme Carlos Amoussou et comme Goudja Owens et Elo, tout ça, c'est des talents. Pour l'épreuve du sabre homme, le champion en titre, Elo Aoutiemen, affronte Fred Lokosou. Avec toute son expérience, Elo conserve son titre. Le score entre les deux escrimeurs est de 15-6. Le constat, cette année, c'est la forte participation des femmes au championnat. Beaucoup de choses sont faites actuellement pour qu'il y ait plus de filles, plus de jeunes filles dans cette équipe. Mais les filles qui sont là, que vous voyez aujourd'hui, c'est des filles qui ont toujours été là depuis environ 5 ans. Le championnat national d'escrime édition 2018 prend fin sur une note de satisfaction. Avec la participation des maîtres dames que nous avons envoyées en formation en Algérie, nous voyons que le niveau est un peu relevé. Et ça nous fait plaisir que ces gens reviennent de formation pour aider les locaux. Allez, sur l'aspect technique, ce que nous pouvons retenir, c'est un bilan de satisfaction. Aujourd'hui, nous avons une 10 équipes d'épée et une 10 équipes de sabre. Ça, on peut aller se coucher et je pense quand même que dans les jours à venir, nous allons faire très très mal sur le plan africain. En parlant de plan africain, l'équipe nationale d'escrime pourrait démontrer son talent au prochain championnat d'Afrique de l'Ouest en avril prochain.